Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la nomination d'un nouveau chef de l'exécutif, Nedel Arbaoui, a pris ses fonctions. Quelles pourraient être ses priorités? La question sera posée à des experts. L'agression sioniste se poursuit à Gaza et en Cisjordanie avec des objectifs exprimés du gouvernement extrémiste de l'entité de liquider tous les Palestiniens. Coopération algéro-chinoise, le chef d'état-major de l'ANP est arrivé à Pékin ce matin dans le cadre du renforcement des échanges militaires entre les armées des deux pays. Semaine de l'entrepreneuriat, des journées d'information sont organisées au profit des jeunes afin de booster la création d'entreprises et d'emplois. Les entreprises pourraient être déchargées de la TAP, c'est ce que propose en tout cas le projet de loi de finances 2024. D'autres mesures viendront renflouer les caisses des APC. À l'approche de l'hiver, des localités éloignées sont raccordées au réseau du gaz, des projets salutaires. Reportage dans la localité de Borossa Indefla. En sport, éliminatoire de la Coupe du Monde de football, dans la perspective des deux premières journées, le sélectionneur national anime une conférence de presse. Voilà pour l'essentiel des titres qui vous seront développés dans quelques instants. Ça sera juste après l'appel à la prière. Je le disais il y a quelques instants, Nedel Arbaoui a pris ses fonctions de Premier ministre en remplacement d'Emin Abdrahman. À l'issue de la cérémonie de passation de pouvoir, le nouveau chef de l'exécutif a exprimé sa détermination à poursuivre l'exécution du programme du président de la République qui revêt un caractère social et qui place le citoyen en tête des priorités. Il y en a, Hanan Saïssi. Et des priorités relatives surtout au parachèvement des politiques nationales conformément aux orientations du président de la République. Selon les experts, cette nomination permettra d'abord de renforcer l'action du gouvernement dans le cadre du projet de transformation de l'économie nationale. C'est ce que relève Abdrahman Hadef, expert en économie. Il était l'invité de la rédaction ce matin. Monsieur Al-Arbaoui, il était au fait des orientations du président de la République et l'enjeu de bien exécuter toutes les décisions et instructions qui ont été données lors des conseils des ministres. L'Algérie est bien engagée dans un projet de transformation de son économie et un des axes stratégiques de cette transformation, c'est de s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales avec un redéploiement et une position qui va avec la position de l'Algérie, mais surtout avec son poids politique et géopolitique. En plus des compétences managériales internes, s'ajoutent les performances diplomatiques et là, il s'agit d'insuffler une nouvelle dynamique, voire coordonner les actions du gouvernement dans le cadre des actions et la stratégie envisagée sur le plan international, entre autres en matière de diplomatie économique. C'est ce que souligne Hassan Qassimi, expert de la question géostratégique. Le point le plus important, c'est que l'Algérie est en train d'abord d'émerger, deuxièmement qui devient une référence écoutée, respectée. Maintenant, l'arrivée de M. Al-Arbaoui, qui est un fin connaisseur des relations internationales, et cela doit sans aucun doute renforcer notre diplomatie sur tous les plans, dans la diplomatie bilatérale, dans la diplomatie multilatérale, dans la diplomatie économique, de la médiation des règlements des crises et des conflits. Donc, les objectifs sont très importants. En tout cas, il faut savoir que le nouveau Premier ministre Nedel Arbaoui a d'ores et déjà donné le ton de son action centrée sur le citoyen, qui reste la priorité des priorités dans le programme du président de la République. Direction à présent la bande de Gaza où l'agression israélienne se poursuit de manière soutenue. L'armée sioniste a accentué ses raids contre les structures sanitaires notamment. Ce matin encore, le complexe hospitalier Shifa a été complètement quadrillé. Les occupants de l'hôpital sont coupés du monde. Les corps des martyrs pourraient être enterrés à l'intérieur même de l'établissement. Le témoignage du journaliste Mohamed Lagrayeb, il répond depuis Gaza à Karim Abounour. Il y a de terribles crimes à l'hôpital. Les corps sont étalés. Personne ne peut rentrer pour enterrer les shuhada. Personne ne peut bouger à l'intérieur de l'hôpital. Même les médecins sont dans leur bureau. Personne ne peut monter ou descendre. L'hôpital est bloqué de trois parties. C'est un hôpital qui se trouve près des côtes.
À 5 heures du matin, les chars se sont rapprochés de la porte de l'Est et empêchent les secouristes de rentrer ou de sortir. Et maintenant, les blessés, les médecins et les malades sont à l'intérieur. Ils ne vivent qu'avec de l'eau et des dattes. Mais les affrontements se poursuivent. Ils se sont intensifiés à minuit. Ça s'est calmé à 3 heures du matin, puis ils ont repris à 5 heures du matin et les combats se sont poursuivis jusqu'à 7 heures. Mais les bombardements sionistes n'ont pas cessé. Que Dieu leur vienne en aide. Donc notre interlocuteur journaliste Mohamed Al-Gharayeb qui a pris la route à présent vers le sud de la bande de Gaza, des milliers de Gazaouis s'y sont déjà dirigés, non sans entrave puisque beaucoup ont été ciblés par des bombardements en chemin, même une fois arrivés dans le sud de l'enclave. Le ministre de la sécurité de l'entité sioniste n'a pas caché cette volonté d'éliminer les Palestiniens, assurant que le but était d'éliminer le mouvement palestinien Hamas, mais également les soutiens, les sympathisants et même ceux qui distribuent des bonbons au niveau de l'enclave. Ben Gvir a appelé encore ce matin à la relance de la colonisation dans la bande de Gaza. L'objectif est en tout cas clair, vider le nord de l'enclave dans une première étape. On écoute l'analyse de Robert Morachini, il répond à Liestrini. On sent bien que, d'après les déclarations de plusieurs dirigeants israéliens d'ailleurs, que la volonté israélienne c'est de vider Gaza et de relocaliser les gens dans le Sinaï égyptien. Alors l'Égypte évidemment, qui est déjà en situation économique particulièrement tendue, ne veut absolument pas de ça. Maintenant, si les pressions américaines continuent pour pouvoir reloger les Gazaouis, est-ce que ça va déboucher sur quelque chose? Maintenant, ça serait Nakba, et alors là, si une telle chose se passait, presque 2,5 millions de personnes déplacées, ça serait vraiment une épuration ethnique au vu et au-dessus de tout le monde. Voilà l'un des objectifs voulus et visés par cette politique de la terre brûlée et l'enjeu énergétique, le gaz en l'occurrence. On écoute Jacob Cohen, analyste politique et militant anti-sioniste. Il répond à Rabea Slimani. On a profité de ce qui s'est passé au 7 octobre pour dévoiler ce plan. Le fait qu'il y ait une découverte de gisements de gaz au large de Gaza. De gaz, d'ailleurs, il y a un conflit entre le Liban et Israël parce que les gisements qui sont exploités en ce moment par Israël, si vous regardez la ligne de démarcation tracée par Israël, elle va en diagonale vers le nord. Sioniste, il confisque une partie des gisements qui se trouvent dans les eaux territoriales libanaises. Et il y a beaucoup de gaz qui est dans la région et on a trouvé directement au large de Gaza, ce qui aurait été difficile à Israël, sioniste, à exploiter. Il est probable qu'on voudrait chasser au moins, dégager la partie nord de Gaza, là où il y a la ville de Gaza. Il y a déjà entre 500 000 et 1 million qui sont partis ou qui sont en voie d'être chassés. Et donc, à ce moment-là, le terrain sera libre. Les Israéliens se réinstalleront dans cette bande. Et 37 jours depuis le début de la guerre, les combattants palestiniens opposent une résistance plus forte que ce qui était attendu. On écoute une nouvelle fois l'analyste. Le Hamas résiste quand même assez bien à la conquête, puis le nord est recolonisé complètement par les sionistes. La résistance palestinienne sera affaiblie. C'est une course contre le temps là qui se passe en ce moment. C'est que est-ce qu'on va obtenir un cessez-le-feu et donc permettre à la résistance palestinienne de sauver ce qui peut l'être, parce qu'elle a énormément, elle a investi énormément à Gaza avec les tunnels, les fabrications clandestines de matériel, etc. Ou bien est-ce qu'on laissera encore les Israéliens poursuivre leur travail de sape et de conquête? Apparemment, les Israéliens ont du mal à venir à bout de toute la structure de résistance qui se trouve dans les tunnels, ateliers souterrains, etc. C'est ce qui se joue en ce moment. Il y a pas mal d'appels des Occidentaux de parvenir à un cessez-le-feu qui mènera des négociations pour les échanges. Ah donc, la société civile reste mobilisée contre l'agression sioniste contre les Palestiniens en Gaza et en Cisjordanie, alors que l'ONU, les Nations Unies sont impuissantes en raison notamment du veto américain. On écoute l'expert en géopolitique Robert Morachini, il répond à Liestrini.
Je ne pense pas qu'il y ait un silence de l'ONU, parce que si vous regardez bien, le secrétaire général des Nations Unies n'arrête pas de hurler au massacre et aux crimes contre l'humanité depuis quelques temps. Mais évidemment, il n'est pas entendu, parce que l'ONU, mais c'est devenu un machin, puisque les puissances comme les États-Unis qui peuvent mettre des veto sur des résolutions. Donc les Nations Unies, ils disent c'est mal, ils condamnent, mais s'il y a un veto des États-Unis, comme il y en a eu sur la dernière résolution, votre résolution, elle aboutira à rien. Tous les alliés des États-Unis vont suivre ce que disent les États-Unis, de soutenir massivement Israël. Le bilan de l'agression sioniste contre Gaza est revu à la hausse, plus de 11 200 martyrs et près de 30 000 blessés. Coopération militaire, le chef d'état-major de l'ANP est arrivé ce matin en Chine où il a été accueilli à l'aéroport international de Pékin par le général Zhang Baoqin, chef adjoint du bureau de la coopération internationale. Le général d'armée Saïd Chengriha préside une délégation militaire à l'occasion de cette visite qui vise à renforcer notamment les échanges entre l'ANP et son homologue chinoise. Congrès du FLN, le parti aura un nouvel SG, son nom sera connu demain, mais en attendant, les travaux focalisent sur l'élection du comité central. Ibtihal Atoun. Les membres des différentes commissions ont commencé leurs travaux, notamment la rédaction des rapports et autres résolutions qui seront soumises pour adoption aux congressistes. Aujourd'hui, une bataille de coulisses a eu lieu entre les membres du comité central. D'ailleurs, les membres du comité central qui vont choisir le nouveau SG lors de la session prévue demain, avant la clôture des travaux du 11e congrès. Sous le slogan « Nous nous renouvelons sans nous dissiper » pour le parti, ce congrès constitue une occasion importante pour discuter des politiques futures et déterminer les position. Le parti est déterminé à aller de l'avant pour mener une politique sérieuse en tant que partenaire et acteur dans la construction de l'Algérie nouvelle. Centre international des conférences, Ibtihal Adoun, Al-Jishan 3. Semaine de l'entrepreneuriat, une campagne nationale de sensibilisation est organisée, notamment en direction des étudiants, escale ce matin à l'université Ben Youssef Ben Khedda à Alger. Sami Alloun était sur place. Sensibiliser et doter nos plus jeunes de compétences et savoir-faire pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Une semaine pour promouvoir l'économie de la connaissance dans les quatre coins du pays, avec les universités notamment qui sont devenues, avec les infrastructures dédiées à l'entrepreneuriat et à l'intelligence artificielle, de véritables catalyseurs de compétences qui peuvent sur le moyen et long terme contribuer à renforcer l'économie nationale, en plus de créer des postes d'emploi. Nassima Arhab, secrétaire générale au ministère de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Cette action de sensibilisation vise essentiellement à promouvoir l'entrepreneuriat d'une façon générale, mais aussi promouvoir toute la réglementation, mais aussi les facilités que l'État et le gouvernement ont offert à tout porteur de projet, quel que soit le type d'entrepreneuriat, qu'on soit dans un projet de micro-entreprise, d'initiative individuelle à travers le statut de l'auto-entrepreneur ou à travers les dispositifs de micro-entreprise. Ceci dit, elle est orientée vers les étudiants d'une façon particulière parce qu'il y aura des actions, des ateliers au niveau des universités, de toutes les universités de l'Algérie. Elle vise les personnes qui sont inscrites dans une logique d'entreprendre et qu'ils n'arrivent pas à faire le premier pas ou pas avoir toutes les informations essentielles pour se lancer dans un projet entrepreneurial. L'objectif de cette campagne, sensibiliser pas moins d'un million d'étudiants aux différentes possibilités liées à l'entrepreneuriat, leur expliquer à la fois les procédures à suivre, les étapes pour breveter, prototyper une idée et la rendre concrète, soit utilisable et exploitable, répondant ainsi à un besoin exprimé dans plusieurs secteurs. Le projet de loi de finances 2024 propose de supprimer la TAP, la taxe sur l'activité professionnelle, une démarche qui encouragerait l'entreprise mais qui mettrait à mal les collectivités locales. Justement, des mesures de compensation sont prévues par le texte. Les détails avec Rembo Kadoum. La suppression de la taxe sur l'activité professionnelle vient en réponse à la revendication des acteurs économiques et pour consolider les investissements. Néanmoins, elle représente l'une des sources de revenus des collectivités locales. Mohamed Achir, économiste. Ça va inciter les entreprises davantage à l'investissement et même il va contribuer dans le chapitre de cadre fiscal à l'amélioration du climat de l'investissement dans notre pays. Par contre, cette suppression n'est pas sans incidence sur les ressources fiscales
fiscale des collectivités locales. Une redistribution des recettes est prévue pour compenser le manque de ressources de financement pour les communes. Il s'agit des recettes fiscales de l'activité hydrocarbures en partie. La taxe sur le torchage du gaz, dont 50% de cette taxe serait attribuée au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales. Boubacar Sellami, expert en fiscalité. Il y a des mesures de remplacement de cette taxe par d'autres sources de paiement. La TPP, taxe sur les produits pétroliers, la taxe de torchage, une partie de la taxe de rechargement. Donc il y a une augmentation de la part de certains impôts et taxes qui seront revus à la hausse. C'est pour donner aux APC une source de financement. Une nouvelle mesure prévue dans le projet de loi 2024, il s'agit de la cotisation locale de solidarité qui est le coût fiscal de l'activité de transport de carburant par pipeline et des activités minières. Ce coût financier serait exclusivement dégagé pour les communes, surtout celles souffrant de déficit budgétaire. Le ministre de l'Énergie a procédé hier à la pose de la première pierre du projet d'exploitation du gisement d'Oued Amizour à Béjaïa, fruit d'un partenariat algéro-australien. Ce projet vise à exploiter un gisement de 34 millions de tonnes, avec l'objectif de produire annuellement 170 000 tonnes de zinc et 30 000 de concentré de plomb. Des études approfondies ont été réalisées au préalable, assure le PDG du groupe public Sonarem, Mohamed Sakhar, propos recueillis par Sofia Boukarcha. Pour définir la meilleure méthode d'exploitation de ce gisement qui respecte les normes de l'environnement, nous avons eu besoin de plusieurs années d'études. Pour le début de son exploitation officielle, au début, c'était fixé à 3 ans, mais avec nos partenaires, nous avons pu réduire les délais à 2 ans et nous travaillons encore pour la réduire davantage. L'hiver approche à grands pas, un rafraîchissement des températures est déjà ressenti. Le raccordement en gaz naturel dans les localités éloignées est le bienvenu. Rima Rahmani a rencontré les habitants de Bouarous à Indefla qui en connaîtront plus le même calvaire. Reportage. Distante de plus de 35 km du chef-lieu de la wilaya de Ain Defla, Bouarous, une commune montagneuse connue pour ses hivers très froids, confirmation avec ses citoyens. Mais au grand bonheur de toute cette population, une grande opération de pénétration de gaz a touché cette localité ces jours-ci, qui a couvert 369 foyers d'une enveloppe financière de plus de 400 millions de dinars. Abdelrani Filali, Wali de Ain Defla, précise également que le taux de pénétration gaz, qui est actuellement à 72%, atteindra au courant de l'année prochaine les 85%. Le programme s'étend aux localités secondaires en fonction des inscriptions qui sont opérées, soit dans le cadre des programmes nationaux ou sur la base des ressources du budget de la wilaya. Aujourd'hui, c'est une opération qui a dépassé plus de 40 milliards destinés à cette opération qui a couvert plus de 369 foyers. Donc, nous continuons donc à exécuter l'ensemble des actions pour 9 localités secondaires importantes pour un montant de 443 millions de dinars. Et nous sommes sur le point donc de lancer un nouveau programme de 223 millions de dinars qui va couvrir 5 localités secondaires importantes et qui vont toucher plus de 1800 foyers. Et nous avons bon espoir pour le réceptionner dans 3 à 4 mois au maximum. Plusieurs projets dans le secteur de l'énergie sont déjà lancés et autres le seront avant la fin de l'année. Ain Defla, Rima Rahmani, Al-Jashan 3. Football avec cette conférence de presse animée ce matin par le coach national Rostom Yahya Sharif. Au centre technique national de Sidi Moussa en prévision des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 contre la Somalie ce jeudi 16 novembre au stade Nelson Mandela de Bazaki et le dimanche 19 novembre à Maputo face au Mozambique. Direction le centre technique national de Sidi Moussa où on retrouve notre journaliste sur place, Mahmoud Boul. Mahmoud, bonjour. Bonjour. Alors Mahmoud, que retenir de cette conférence de presse du coach national Jamal Belmadi? Elle arrive tout d'abord avant les deux matchs, Somalie jeudi et le Mozambique le 19. C'est une équation compliquée. La Somalie, adversaire présumé faible, qui n'a pas d'histoire footballistique sur le continent, que ce soit en nation ou en club. Une équipe somalienne ou l'équipe nationale ne devrait pas avoir trop de difficultés à battre. Dans le même temps, il faut préparer le match contre le Mozambique. Et alors,
elle est présumée faible. On va pas tourner autour du pot. Mais vous savez que des équipes présumées faibles, il y a à chaque fois des mauvaises surprises dans chaque date FIFA, dans tout le continent, et surtout le démarrage d'une campagne de qualification Coupe du Monde. Déjà, juste la compétition elle-même, elle grossit plus le match que, je sais pas si tu me disais peut-être qualification Coupe d'Afrique, ce serait déjà une approche peut-être différente. Il y a de suite cette idée de, eux vont élever leur niveau, ils vont élever leur niveau de concentration, de motivation, de tout ce qu'on veut. Ça reste des athlètes, ça reste des sportifs de haut niveau. Ils sont capables, s'ils travaillent ensemble jusqu'au bout, de gagner du temps. On connaît ce genre de match. Donc on ne veut pas tomber sur cette erreur-là, on n'a pas d'excuses. Alors la liaison s'est coupée avec Mohamed Djebbo qui était en direct du centre technique national de Sidi Moussa en prévision de la conférence de presse du coach national Jamel Belmadi. Je rappelle, la rencontre aura lieu ce jeudi 16 novembre au stade Nassr Mandela de Badaqi face à la Somalie. On aura plus de détails sur cette conférence de presse dans nos prochains points d'actualité. Voilà qui termine ce journal. Il y avait à sa réalisation Ardouane Siassi, Amine était à la console technique et Nejma à la régie d'antenne. Tout de suite le bulletin météo complet avec Karima Bounour.